la fin d'une belle idylle. Ce mardi 6 décembre, Charles Leclerc et sa compagne Charlotte Siné ont annoncé chacun sur leur compte Instagram respectif qu'ils s'étaient séparés. Le pilote de Formule 1 a ainsi publié un court message en story pour faire part de cette nouvelle. Bonjour à tous, Charlotte et moi avons décidé de mettre fin à notre relation et nous restons de bons amis, a-t-il tout de même rassuré, avant d'ajouter, nous avons partagé tellement de bons moments et elle sera toujours une personne très spéciale pour moi. Elle est incroyable et mérite le meilleur, veuillez respecter notre décision et sa vie privée dans un moment comme celui-ci. Merci. De son côté, Charlotte Siné a publié un message sensiblement similaire pour confirmer leur séparation. Charles et moi avons décidé de mettre fin à notre relation et de rester bons amis. Nous avons passé trois belles années ensemble, remplies de souvenirs. Si est une personne extraordinaire et je lui souhaite le meilleur, a écrit la jeune architecte monégasque. Charles Leclerc et Charlotte Siné très complices sur les réseaux sociaux en couple depuis 2019, Charles Leclerc et Charlotte Siné restaient cependant discrets sur leur relation. Ils avaient d'ailleurs attendu juin 2021 pour se présenter ensemble devant les objectifs des photographes, à l'occasion de la cérémonie de clôture du Festival de télévision de Monte-Carlo. Si est surtout sur les réseaux sociaux que les deux ex-tourtereaux partageaient de nombreuses photos, sur lesquelles ils apparaissaient très complices. Avant de se mettre couple avec Charlotte Siné, le pilote monégasque de 25 ans a vécu une histoire d'amour avec l'italienne Glada Gianni. Ensemble depuis janvier 2015, ils avaient finalement rompu en 2019. Charles Leclerc priorisant sa carrière sur les circuits à sa vie amoureuse. Charles Leclerc, un surdoué du volant passionné de sport automobile depuis toujours, Charles Leclerc a démarré sa carrière dès l'âge de 7 ans, au volant d'un karting. Après avoir gravi les échelons, il a finalement signé en Formule 1 pour l'écurie italienne Ferrari en 2019. Cette année, il a d'ailleurs réalisé une très belle saison, car il s'est classé deuxième du classement général des pilotes, juste derrière l'intouchable Max Verstappen, Red Bull, à l'issue du dernier Grand Prix à Abu Dhabi, le 20 novembre dernier. Mais Charles Leclerc a d'autres passions dans la vie, comme le piano, dont il est véritablement devenu fou amoureux depuis la pandémie. J'avais pris quelques petits cours quand j'étais enfant, après j'ai abandonné. Mais grâce au premier confinement, je me suis calé et j'ai recommencé à jouer. Je suis devenu obsédé, j'ai pris 3-4 mois de cours, avait-il confié.